Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de T-Cube. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié le tout premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez, je vous invite à aller le voir. C'est un résumé en fait de 12 heures de stream qu'on a fait à l'ouverture du serveur. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve parce que on a fait beaucoup d'avancements. Écoutez, comme vous avez pu voir dans le timelapse, écoutez, ben, on a complété la maison. Ah, ben voilà, la maison est là. Je croyais que j'étais du bon bord, c'était pas le cas. Voilà, ça peut arriver de se tromper. Donc, on a fait ça. Ça nous a pris un petit moment, là, je dirais un petit 1h30, 2h de temps. Écoutez, là, on est plusieurs de connecter sur le serveur. Ben, on était plusieurs, là, on était 8 tantôt. Là, on est juste 4, mais c'est pas grave. Donc, on a fait la maison, écoutez. Comme vous pouvez le constater, vu que le serveur... Ben, pas le serveur, mais en fait, le spawn est dans une savane. Eh bien, c'était justement sur le thème de la savane, notre maison. Donc, ben voilà, j'ai terminé. Ça a bien été, écoutez, on n'a pas manqué de matériaux, mais on était très proche d'en manquer. Je veux dire, juste pour faire cette maison-là, c'est pas une farce. Mais ça a pris, je crois, 2h30 pour ramasser tous les matériaux. Et c'est pas une farce, mais vous voyez, il y a quasi plus d'arbres autour parce que je crois avoir coupé l'entièreté de la savane autour pour avoir cette maison. Vraiment, ça l'a bouffé des matériaux, mais tellement, là! Puis en fait, je me sens mal un peu pour les autres membres parce que il va falloir aussi qu'ils fassent leur maison. Donc, si on regarde l'intérieur, il n'y a rien vraiment d'emménager. Il y a tout simplement le premier étage, mais voyons. Il y a le deuxième en haut. Là, il doit y avoir certes des mobs, justement. Donc, désolé, il va falloir aménager ça. Ici, on a justement la tour. Puis cette tour-là, en fait, amène au point... au pic de la tour, justement, où est-ce qu'on a une vue sur ben, le spawn, fait que la structure, le portail, puis toutes les autres choses sur ben, au spawn, tout simplement. Donc, on a ici Repsi qui va faire sa maison, style un peu japonais, juste ici. Il va y avoir aussi, là-bas, il y a Alex qui a déjà terminé sa maison, on va aller voir ça bientôt. Puis, il va y avoir aussi la maison de Clémentine qui va être juste ici. On va créer une certaine île avec un mini chalet, on peut dire, dessus. Pour faire ça, justement, eh bien, on va faire ça en live sur Twitch. Donc, twitch.tv/lethunderwolf, le lien dans la description de la vidéo. À toutes les vidéos, ça va être là. Fait que tout ça. Fait que venez jaser avec nous autres, venez lâcher un follow. On va avoir du plaisir ensemble. Voilà la maison d'Alex. Alex, en fait, qui est le T-Kid de Dark Moz. C'est le premier en fait qui a complété toute sa maison, honnêtement. J'aurais pensé que ça soit un des streamers, mais non, comme vous pouvez voir, voilà, c'est sa maison. Wow, j'aime bien, pour vrai. Comme on a dit, il a respecté le thème du bois d'acacia, fait que c'est-à-dire avec le orange, puis avec ben, les tons, les teintes de gris. Mon dieu, est-ce que est emménagé? Oh, mon dieu, il s'est bien placé, lui. Ok, bon, un petit lit. Ah, c'est super chill, pour vrai. Ok! Bon, ben là, ce qu'on va faire bientôt, justement, c'est on va continuer un peu la maison parce qu'en fait, la maison est pas totalement terminée dans le sens que, oui, la structure, elle est faite. Ça c'est sûr et certain. Mais il nous manque un peu de, comme on pourrait dire, de décoration. Fait que ça veut dire mettre un peu de feuillage, mettre des lampadaires. Bref, faire quelque chose vraiment qui est beau à voir autant le jour que la nuit, parce que le jour c'est beau, mais la nuit c'est pas éclairé, c'est pas beau, c'est non. Puis on va améliorer un peu aussi la façade en avant pour que ça fasse un peu plus naturel, parce que ça coupe beaucoup trop sec. Puis on va créer un chemin qui va descendre ici. Puis on va voir si on peut trouver un pattern pour faire le chemin, parce que j'ai une idée, mais je suis pas encore sûr, parce que pour lier justement toutes les maisons ensemble, bien, on va créer un chemin, justement. Donc, ça va être ça qu'on va faire juste après. Mais donc, là, on va aller en stream. On va aller faire la maison de Mr. Clémentine qui est juste en arrière de nous autres. Fait que si vous voulez, comme je le répète, twitch.tv/lethunderwolf dans la description. Donc, on va faire ça. Fait que pour ceux qui vont l'avoir manqué, ben, vous allez avoir un petit timelapse à l'instant. Donc, voilà. Fait que on se retrouve juste après le timelapse. We'll be right back.
Alors les amis, vous venez tout juste de voir le timelapse de notre petite maison pour notre chère Clémentine. Donc voilà, projet terminé. Ça nous a pris environ, je vous dirais, un bon 4 heures de temps. Écoutez, on s'assurait que l'éclairage était correct, qu'il n'y avait pas de bloc qui manquait. On a mis un petit peu de décoration. On a aussi fait une nouvelle île. Puis on s'assurait que l'île était autant belle où est-ce qu'on va marcher, mais aussi dans l'eau, hein, parce que on a voulu faire en sorte vraiment que c'était creux et non que c'était tout simplement un vulgaire morceau de terre qui sortait du lac, carrément. Fait qu'on s'est assuré que ça c'était parfait, puis comme vous pouvez constater, c'est considéré une île, oui, on sait, ok, malgré le fait que c'est juste un bloc qui sépare, eh bien, le sol de l'île, ben c'est quand même considéré comme une île, ok. Fait que là, dans les commentaires, personne va dire, oh, c'est pas une île, non, c'est une île, ok. Fait que là, arrêtez, merci. La seule chose qui va nous rester à faire pour cette maison, ça va être en fait de connecter l'île avec le sol qui est juste ici, avec l'aide d'un pont. Donc on va faire un petit pont. On va sûrement le faire encore en acacia justement, vu qu'on est, comme je vous dis, sous le thème de l'acacia. Fait que peut-être qu'il va aller comme ça. On aurait pensé à peut-être le faire en diagonale, on s'est dit pourquoi pas essayer, hein? Aussi, j'ai oublié de vous dire justement que, comme vous pouvez voir ici, eh bien, on a maintenant la régénération parce qu'en fait, on avait notre beacon la dernière fois, oui, mais on n'avait pas assez de blocs pour pouvoir avoir la régène. Mais grâce à notre cher Alex, avec sa ferme à faire, mon Dieu, fait que sa ferme à faire, ça nous a permis en fait de compléter le beacon. Ce qui fait en sorte que maintenant on a la régène et on a mis un effet de speed aussi. Fait que je peux vous dire que ça fait du bien de plus être obligé de manger des pommes d'or ni d'avoir des potions de soins. C'est vraiment là, c'est incroyable. Donc on s'est dit en fait, pour mettre en valeur ce beacon là, sachant que c'est le seul qui est présent sur le serveur pour le moment, eh bien on s'est dit qu'on voulait faire une fontaine pour justement montrer que c'est important d'avoir un beacon, hein. Donc, fait qu'on a voulu mettre là, fait qu'on l'a recentré, on l'a mis au milieu en fait du lac. Fait que au début on l'avait mis vers ici, mais en fait dû à la maison qui vient de s'installer, ben c'était dans les chemins, puis c'était pas non plus beau, c'était pas centré. Fait qu'on a fait, on a juste déplacé le beacon, on l'a mis là, puis on a fait une belle fontaine, voilà. Je l'ai fait en stream, mais j'avais pas enregistré vraiment, fait que c'est pour ça qu'à l'arrivée on aurait dit un peu de nulle part là. Mais voilà, moi je trouve que c'est super beau, puis que c'est super bien réussi. Fait que ça là, inquiétez-vous pas, ça va s'en aller. C'était juste temporaire justement pour faciliter le transport. Donc, une bonne chose de fait, vraiment beaucoup de progrès. Donc là, tout ce qui va vraiment rester à faire, ça va être tout simplement lier toutes ces choses ensemble. Fait qu'on va lier la maison de Clémentine, la mienne, la future maison de Repsy qui va être ici, la maison à Alex. Puis je vais aussi parler à tous les membres pour savoir s'ils ont une idée de où mettre leur maison. Parce que si je fais un chemin puis ça donne que c'est sur leur terrain, ben ça va pas vraiment être le fun pour eux ni pour moi. Fait que je crois avoir une idée pour faire les chemins. Ouais, j'ai fait certains tests en créa. Puis je peux vous dire qu'il y a certaines choses qui sont très concluantes. Donc, nous voici maintenant à notre première base, ok, quand on a commencé l'aventure, en fait, les amis, c'est ici qu'on s'est retrouvés. Juste avec notre portail, tout ça, nos ender chests, bref, tout ça.
Je venais justement en fait pour venir chercher encore quelques petites ressources que, parce que si vous n'avez pas constaté justement à comparer des de la dernière fois, eh bien on a déménagé beaucoup de choses justement. Les champs étaient ici, ça c'est parti. Les verrues du Nether étaient ici, c'est parti. Nos mines qu'on a faites pour nos ressources justement ici, ça c'est parti. Bref, beaucoup de choses parce que justement là on va déménager à la savane. Fait que je voulais juste venir pour venir chercher quelque chose. Je crois que je l'ai laissé ici. Je crois que c'était... Ouais, je venais pour ça. Et je venais aussi pour venir chercher ma Blackstone. Parce que avec la Blackstone, ça va servir dans les prochains futurs pour notre base. Et pendant de la base, eh bien, on va s'y rendre à l'instant. Juste avant de retourner justement à notre chez nous. En fait, si vous ne saviez pas, en fait, ben... En faisant le portail, j'ai atterri justement dans une forteresse. Et pendant la forteresse, bon voilà, il y a justement un Wither squelette. Et bien justement, je vais vous parler de ça. On a exploré une bonne partie des personnes sur le serveur. Donc les streamers et aussi les petits T-Kids. En fait, on a exploré justement pour voir si on pouvait pas trouver des choses intéressantes dans les coffres. Ou si on pouvait pas justement trouver une manière rapide, efficace... pour pouvoir farmer rapidement les têtes de Wither. En se promenant, en fait, on a réussi à trouver en fait un endroit extraordinaire. Mais vraiment, c'était l'affaire qu'on s'attendait pas. On a trouvé non seulement, on a trouvé un spawner à blaze ici, un spawner à blaze qui est juste là, et quelque chose d'autre qui est vraiment incroyable. Mais juste avant, je vais réussir à tuer ce Wither squelette. Ah ouais. Ok, regardez ça, ok. On a réussi à trouver... Ok, bon, là, je vais le tuer. On a réussi à trouver... Pas... Oh, fudge. Attendez. Et voilà. On a réussi, non seulement, pas à trouver une, pas deux, mais trois jonctions. Ok? Et si vous savez pas, les Wither squelettes spawnent en grande partie aux jonctions des forteresses. On en a trouvé trois! Trois une à côté de l'autre. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a pris le temps de vraiment pouvoir bien découper la zone sur les trois sections. On a fait un long chemin qui se rend jusqu'au bout là-bas. Puis tout ce qu'on fait, on fait juste se placer là pendant peut-être 10-15 minutes en AFK. Puis on a tout simplement là une... Ça se spawn à coup de dizaines, si c'est pas de vingtaine de Wither squelettes. Ce qui nous a permis non seulement de pouvoir farmer les têtes beaucoup plus rapidement, mais aussi de faire en sorte d'avoir un autre beacon. Parce que oui, en fait, en stream, je vais vous mettre une séquence. On a réussi à farmer le Wither squelette, donc... Je vais vous montrer ça un peu, on est allé faire ça la gang ensemble. Ok, on a trouvé une manière rapide et efficace pour pouvoir le tuer rapidement. Donc voilà, fait que je vous mets cette séquence là, puis après on se revoit juste après. Je suis prêt, on le fait ici, c'est parti. Bah attends, je vais aller chercher de la visite. Let's go, on détruit toute ta base. Non. Enfin, on le fait dans le breeder pour être sûr. Con. Hey. Ça va faire une belle petite visite pour les villageois. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Checkez, vous êtes prêts d'avoir quelque chose de super beau? Non, regardez ça, vous êtes prêts là? Ça, je l'appelle mon arbre suicidaire. Voilà. Thunder, est-ce que tout va bien dans ta vie? Super. Clémentine, tu as-tu une poisson d'ion? Le speed? Ok, pourquoi pas. Bon, là, je te frappe. Bang, 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 bang. Tu prends deux boucliers. Si tu prends mon bouclier, là, tu mets tes boucliers dans, deux boucliers dans tes mains, là, t'as l'air d'un... D'un chasseur de Star Wars. Oui. Attends, ça va faire ça, t'es prêt? Attends, check ça. Attention, imagine on a une autre ta... Oh! On aurait pas pu juste creuser un trou pour le voir. T'es prêt? Prenez potion de la force. Ok. Prends mes potions là, de base. Prends la potion d'origine. Bon, normalement, on n'aurait même pas à se faire chier. Mettez vos boucliers! Même pas besoin que... Et... Normalement, touchez à rien. Vous allez voir. Et voilà. Ok, go, go, go! Youhou! Je l'ai! Yo, voulez-vous savoir de quoi? J'ai eu aucun damage! J'ai rien eu! Oh my god! Oh my god!
Oh my god. Tu vas avoir un beacon. Wouhou, on a un beacon. Allez, viens-t'en, mon cher Alex. Il est juste à toi. Yeah. C'est quoi que... Attends, laisse faire. Et là, faut juste que j'aille chercher un fer. Ah, j'en ai un. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Mais, c'est quoi déjà les choix? Mais... Mais speed. Speed de la gêne. Ouais. Yeah! On a régène! Wouhou! Nous sommes de nouveau revenus à la base. Donc, voilà. OK. Ça, je reviens du pourquoi, du comment il y a eu un trou. Ça, on va revenir plus tard. En fait, comme vous pouvez constater, justement, on a fait le beacon, fait que voilà. Fait qu'on a notre fameux beacon, fait qu'on a maintenant la régène. Et on a rajouté le speed, justement. On a fait aussi un breeder à villageois, mais en fait, il y a eu un petit problème. Clémentine, il a voulu faire quelque chose, mais il a fait une erreur dans le modèle. Fait qu'on pense soit le refaire ou on va trouver une solution, mais de toute manière, ça... Ça allait durer un petit moment, oui, mais on savait qu'on allait sûrement en faire une nouvelle ou tout simplement en faire une plus grosse. Fait qu'on verra ça dans les prochaines fois qu'on va être sur le serveur, justement. Donc voilà. Là, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai eu un trou ici. Tiens. Les patates, fuck off, là. Ok, là, bah, attends. Normalement, on fait ça, puis après, on met... Oh, ouais, je peux le casser ça. Oh! Mais t'es con. Ouf! Pourquoi t'as fait ça? Fail. En fait, moi je voulais tout simplement recharger le respawn launcher. Pensant que je pouvais ensuite le miner tout simplement et le ramasser, hein. Mais c'était pas le cas. Puis je peux vous dire que ça l'a pété. Puis ça l'a vraiment, vraiment pété. Donc je vais vous parler un peu de mon style que je voulais faire justement. Donc j'avais pensé à faire, j'avais pensé à faire du style médiéval, mais en même temps, un peu réaliste, mais avec peut-être une petite touche de fantasy dans le sens que ça va être des bâtiments assez, détaillés, mais sans non plus l'être trop. Dans le sens que ce ne sera pas non plus du style steampunk, parce que steampunk, c'est, oui, un peu de côté médiéval, mais c'est vraiment exagéré. On parle des bâtiments faits vraiment en haut, avec des façades vraiment incroyablement détaillées. Fait que non, nous, on va vraiment aller du style médiéval, vraiment réaliste, mais on va remettre un petit peu notre touche, c'est un peu plus détaillé, sans non plus que ce soit trop. Fait que ce que j'avais pensé, justement, ça va être qu'on va, séparer, en fait, la région en deux, c'est pas trois sections. Donc, il va y avoir la section des riches, il va y avoir la section des pauvres, il va y avoir aussi la section des marchands. Ok, je sais pas vraiment encore comment je vais disposer les sections, comment je vais les séparer, etc. Mais j'ai pensé à une chose, c'est sûr que les personnes qui vont être riches vont être vraiment dans les parties situées juste en bas des montagnes. C'est-à-dire vraiment sur les côtés ici. Puis le haut, ça va être aussi justement les riches. Mais en fait, j'avais l'intention de peut-être faire un château. Puis quoi de mieux de faire un château que sur une montagne. Donc j'avais le choix entre justement ce plateau-ci. Mais en même temps, je me dis... Yeah. Il y a cette montagne-là, tu sais, je veux dire. Elle est quand même assez imposante, elle est haute. Fait que j'hésite un peu parce qu'en même temps, c'est un biome neige. Puis on dirait que j'aimerais pas vraiment qu'il y ait de la neige sur mon bâtiment. Je sais pas. Je vais y penser. Encore une fois, si vous avez des idées, que ce soit pour faire d'autres sections ou tout simplement pour me dire qu'est-ce que vous en pensez des dispositions ou autres, écoutez, hésitez pas. Bon. N'hésitez pas à l'écrire en plein commentaire, justement. Donc, ça va pouvoir non seulement, justement, m'aider pour faire l'avancement de la base, mais en même temps aussi pour que vous ayez du plaisir à me regarder faire ce projet. Donc, voilà. Ça va mettre fin à cet épisode, les amis. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié de voir tous ces timelapses-là, tous les clips, toutes les choses autres qui se sont vraiment passées. Donc, je suis vraiment content. La prochaine fois qu'on devrait faire un épisode, on devrait commencer à faire le premier bâtiment de notre base. Je l'espère. Ah, stay tuned pour ça, j'ai aucune idée. Mais vous allez voir un peu le style dans lequel je vais me lancer. Fait que ça va être dans les prochains jours que ça va être pour ça. Donc je vous rappelle encore une fois, je stream très souvent sur Twitch. Donc le lien est dans la description de la vidéo.
venez parler avec nous autres. Lâchez un petit follow pour qu'on ait du fun ensemble. Puis souvent, on est souvent en vocal avec les autres membres. Fait quoi de mieux de venir avec nous autres pour pouvoir jaser, non seulement avec moi, mais aussi avec tous les autres. Fait que sur ce, je vous dis au revoir et je vous dis ciao.